Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vide-grenier, un des derniers de la saison 2024 d'ailleurs, parce que on est quand même au mois d'octobre, il fait 5 degrés ce matin, donc voilà, ça pique un petit peu, mais je vais aller voir si je trouve des petites choses sympas. On se retrouve à l'intérieur du vide-grenier comme d'habitude, et puis après pour le compte-rendu. Allez, à tout de suite. Ça lui intéressait. Et puis j'ai dit, bah écoute, comment t'as dit? Ah bah les chapeaux. À 5 euros. Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour, vous les vendez combien pour des DVD? Oh je sais pas, j'en sais rien. Ah. Vous les mettre combien? Moi je ne sais pas les DVD. Moi je les achète à 1 euro généralement donc. Vous pouvez demander combien vous cédez? Un euro. Vous les faites combien, madame, vos bandes dessinées? Au soleil, ça va 3, je vous ai dit, 5, 5. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je peux regarder? Oui, monsieur. Merci. Vous les faites compte? Ah, pardon, d'accord. Toute la pile, là? Non? Peut-être. D'accord. Tenez-moi.
les vendez combien, tu sais, ou... 300 euros. Bonjour. Et bien voilà, de retour à la maison, de retour au chaud surtout, hein, après cette petite brocante que j'ai pu faire tout à l'heure. Il faisait frais, il faisait 5 degrés. De toute façon, quand on commence à mettre les doudounes, hein, pour partir chiner le dimanche matin, c'est vraiment que ça annonce la fin de la saison. Voilà, en tout cas, petit vide-grenier. J'en attendais franchement pas grand chose parce que 30 à 50 exposants, c'était vraiment pas très grand. Ça avait lieu dans un petit village, en plein milieu d'une fête de village qui a lieu sur 2 jours. Et le dimanche, ils organisent comme ça une petite brocante pour terminer le week-end. Donc les gens viennent plus pour la fête du village que pour voir des exposants sortir des vieilleries. Mais en tout cas, voilà, j'y suis allé assez tard. En plus, il était 8h du matin. C'était juste à côté de chez moi, ça m'allait très très bien, j'avais pas envie de faire de la route. Donc je n'entendais pas grand chose, j'y allais vraiment en mode balade. Et je suis assez agréablement surpris par tout ce que j'ai trouvé. Beaucoup de vinyles, encore une fois, mais pas que, vous allez voir. J'ai trouvé également trois bandes dessinées qui sont des rééditions, parce que c'est des BD sorties dans les années 80, au tout début des années 80. On est sur des rééditions de 89, donc ça date quand même un petit peu, et elles sont vraiment en superbe état. Ce sont 3 boulets Bill. On va commencer par le numéro 17, hein, tu te rappelles Bill, voilà, avec ce quatrième plat de couleur bleue, spécifique de cette édition-là. Donc là, on est sur de la réédite de 89, ils sont vraiment en super état. C'est pour ça que je les ai pris. La dame les vendait 3 euros, hein, au départ. Elle les vendait 3 euros et elle avait aussi des quelques Tintins qu'elle vendait 5 euros. Mais je les avais tous dans cette édition-là. Donc voilà, je suis resté sur ces 3 boulets Bill. Le deuxième, le numéro 18, Bill et ma boule. Toujours avec ce quatrième plat de couleur bleue. Et le troisième, le numéro 20, Strip Cocker. Pareil, avec ce quatrième plat de couleur bleue. Donc les trois étaient à 3 euros et elle m'a fait 8 euros les 3. Voilà, donc c'est assez cool de rentrer 3 petites BD comme ça dans la collection en super état. Alors ensuite, deux coffrets DVD. C'était d'ailleurs mon premier achat en arrivant. Je demande le prix à la dame et elle me dit « Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas combien ça vaut, etc. » Donc je lui dis « Bah écoutez, moi j'ai l'habitude de les acheter 1 euro en vide-grenier. » Du coup, je lui ai pris 2 coffrets. Elle avait d'autres DVD qui ne m'intéressaient pas, mais... Voilà, je lui ai pris les 2 coffrets DVD musicaux qu'elle avait, même si le premier, je l'ai déjà, on le trouve assez facilement, mais voilà, je l'ai déjà celui-là, donc je l'ai repris pour 1 euro. Ça pourra peut-être intéresser quelqu'un, un amateur de musique et un amateur de Led Zepp, puisque c'est ce coffret donc, qui reprend, donc il y a deux DVD à l'intérieur, et ça reprend quelques concerts, hein, avec des morceaux que vous voyez ici, quelques concerts de 70 à 79, avec des extras. Voilà, je vais vous montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Donc on a un petit dépliant comme ça, qui est assez sympa, qui se déplie en 4 volets. On va retrouver donc les 2 DVD, et puis les 2 petits livrets ici.
Voilà, donc celui-ci, je l'ai. De l'autre côté, c'est assez sympa aussi, hein, parce que ça fait une continuité comme ça. Voilà, donc celui-ci, je l'ai déjà, comme je vous disais. Donc si ça intéresse quelqu'un, bah, faites-moi signe dans les commentaires. Hop, voilà. Et le deuxième, alors celui-là, je ne l'avais jamais vu et j'ai même fait des recherches sur Discogs. Parce que vous savez que sur Discogs, on peut aussi rechercher tout ce qui est DVD, Blu-ray, enfin tout autre support que le vinyle et le CD, dès l'instant où c'est musical. Et il s'agit de ce coffret des Floyd, les albums phares. Voilà, donc coffret 3 DVD, 3 petits boîtiers slim à l'intérieur. Les albums phares des Pink Floyd. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Est-ce qu'il y a les albums à l'intérieur? Je pense qu'il y a aussi pas mal d'interviews, d'extraits télévisuels et radiophoniques assez rares, des enregistrements radio d'époque, etc. Donc c'est une version anglaise sous-titrée française. Mais voilà, on va à l'intérieur retrouver 3 petits boîtiers slim comme ça. Voilà, sur les Pink Floyd, les albums phares. Donc je vais m'écouter ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Comme je vous dis, je n'ai pas trouvé de référence sur Discogs pour ce truc-là. Donc voilà, petite curiosité. Si vous toutefois vous l'avez dans votre collection, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et puis à m'en dire un peu plus. Hein, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, je me suis arrêté sur le stand d'une personne qui avait beaucoup, beaucoup de CD. C'était au sol, hein, c'était assez galère à chercher. Beaucoup de choses en compli, l'itinérie, etc. J'ai trouvé mon bonheur sur... Alors, j'ai mélangé un petit peu, je crois, parce qu'il y a des albums que j'ai trouvé sur un autre stand. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ils étaient tous à 1 euro. Et dedans, il y a une petite pépite. Je suis assez content d'être tombé dessus. Et on va commencer par une petite cassette que la dame faisait 1 euro également. Un petit album, enfin une petite compilation de Cabrel 77-87, comme ça je ne l'avais pas celle-ci. Voilà, donc petite cassette blanche de Francis Cabrel. Et puis ensuite, donc j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CD. Alors je vous dis, c'est mélangé sur deux stands, mais tout était à 1 euro. Et on va commencer par ce concert de Jean-Michel Jarre, donc Houston, Lyon, qui existe en vinyle et que j'ai et que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je l'ai trouvé en vinyle aussi sur le vide-grenier. Voilà, donc ça c'est une réédition, hein, le concert, je crois qu'il avait lieu en 87, et donc c'est une réédition de 2014 en CD comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, pour 1 euro. Ensuite j'ai trouvé cet Alpha Blondie, Grand Bassam Zion Rock. Donc ça c'est pareil, super cool de trouver ça en CD. Ça je pense pas c'est les choses qui existent en vinyle. Hein. En tout cas le suivant n'existe pas en vinyle, c'est sûr. Il s'agit du Very Best Of des Eagles. Voilà, donc qui va comprendre 17 morceaux de ce groupe mythique. Donc je suis assez content d'être tombé dessus. Donc voilà, les Eagles, on va retrouver tous ces morceaux. Voilà, faites pause comme d'habitude hein, si vous voulez voir un petit peu la composition de la compile. Ensuite, alors ça, bon, c'est un petit peu pour le délire. Enfin, quoique j'aimais bien, j'écoutais ça beaucoup dans les années 90, hein, c'est de la Dream Music. J'avais le volume 1 qui s'appelait Dream World 1 et donc j'ai trouvé le volume 2. Voilà, où on va retrouver Robert Miles, DJ Dream, Papillon, etc. Qu'est-ce qu'on a là-dessus qui est connu? Apollo 13, Silly Tunes. Voilà, donc ça c'est les choses que j'écoutais dans les années 90. Ça c'est sorti en 96, donc bon, voilà, c'est purement pour le souvenir. Et écoutez ça éventuellement pas dans la voiture parce que j'ai plus de lecteur CD, mais en tout cas voilà, écoutez sur la petite platine derrière. Ça, je suis très content d'être tombé dessus parce que c'est une très très belle compile. Ça s'appelle l'anthologie du plus grand label de musique noire. J'ai nommé la Motown. Voilà, avec cette compilation Magic Motown qui comprend pas moins de 19 morceaux de chanteurs et de groupes très connus hein, comme Barrett Strong. Qu'est-ce qu'on a? On a Stevie Wonder, Isley Brothers. On va avoir Marvin Gaye, The Jackson 5. Smokey Robinson, Rare Earth, Marvin Gaye encore une fois, The Temptation, Michael Jackson, The Commodores, Diana Ross. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes là-dessus. Voilà, je vous montre l'avant et l'arrière de la boîte et puis le disque avec le beau M de la Motown. Voilà.
Ça, c'est pareil, je suis super content. Hein. De toute façon, j'ai fait ma sélection. Je crois que j'ai pris les trucs les plus intéressants dans son bac. C'est une compilation, un best-of d'Alpha Blondie. Voilà, qui comprend pas moins de 15 morceaux que je vous mets ici à l'écran. Pareil, vous faites pause si vous voulez checker la tracklist. Hop, un beau CD jaune à l'intérieur. Voilà, donc le best-of Aquaba d'Alpha Blondie. Et puis, la petite pépite, c'est ce disque d'Indochine. J'ai pas trouvé de titre hein, d'ailleurs, c'est Indochine, les versions longues en édition limitée. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool. Quand j'ai regardé un petit peu le prix que ça coûtait, surtout le vinyle, hein, regardez un petit peu sur Discogs, le vinyle il existe en double LP ce disque là. C'est un chiffre à quatre chiffres, hein, donc voilà. Et puis là bah, c'est cool de trouver ça à 1€, donc hop. Je vous montre l'intérieur avec la tracklist pour que vous faire une idée de ce qu'on va retrouver sur ce CD, donc des morceaux mythiques d'Indochine en version longue et en série limitée. Alors je sais pas bien pourquoi série limitée, parce qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre, rien du tout. Voilà, en tout cas, 7 CD pour bah, du coup 7€, ça m'a fait 8€ avec la petite cassette de Cabrel. On va passer maintenant au vinyle. Alors, vinyle trouvé sur deux stands. Le premier stand, c'était assez marrant parce que c'était le monsieur, il avait son coffre de voiture ouverte et il avait plein de vinyles sur la plage. Et je vois un vinyle de Stevie Wonder. Donc, je m'approche, je lui demande si je peux regarder. Et il me dit oui, bien sûr. Sauf que c'était un monsieur qui était à côté, qui avait déjà fait sa sélection. Donc, il a embarqué pas mal de belles choses. Hein. Je suis arrivé un petit peu après, mais bon. Tant pis, donc il vendait ses 33 tours 3€, et puis il vendait plein de petits 45 tours à 1€, donc j'ai fait une petite sélection dans les 45 tours, et c'est pareil, il y a des petites choses pas courantes, et puis je lui ai pris 3, alors c'est pas, alors il y a 2 33 tours et un maxi 45, du coup il me les a fait à 2€, bon, on va commencer par ça, on va commencer par cet album de Jan Mas, vraiment en super état. Bizarrement, je ne l'avais pas, celui-là, ouais, c'est son tout premier, enfin je ne l'avais pas en vinyle, sur lequel on va retrouver Johnny Johnny et toute première fois, voilà, en super état. Je vous montre rapidement l'intérieur, donc avec la sous-pochette ici, du vinyle noir classique. Hein. Ensuite, un petit maxi 45 de Paula Abdul, Knockout. Voilà, donc ça, moi j'aimais bien Paula Abdul, je me souviens plus trop de ce morceau-là, alors que je me réécoute ça. Alors, je reviens du vide-grenier, les vinyles ne sont pas nettoyés, et ils sont en très bon état, j'ai tout regardé, il n'y a pas de rayures, rien du tout, par contre, il y a un peu de poussière dessus, et celui-là, il a un petit peu pris la flotte sur le côté, là, mais voilà, j'ai rien écouté du tout, donc je vais me faire ça tout à l'heure, cet après-midi, je vais me faire ça tranquillement, petit nettoyage, et puis ensuite, je vais m'écouter ça attentivement. Et le tout dernier, je suis très content de le trouver, celui-là, c'est un groupe de hard rock français qui s'appelle Shaking Street. Voilà, pareil, ben pour 2€, hein, c'est marqué là, prix spécial, 2€, donc voilà, il a un petit peu morflé ici, il y a un petit peu le ring wear sur le bas de la pochette, mais je pense qu'après un bon petit coup de nettoyage, ça s'atténuera. Pareil à l'intérieur, donc on a la petite sous-pochette ici, Shaking Street, avec la photo du groupe. Donc ça, c'était pour, bah, pour 2€, donc 6€ les 3, et puis donc après, je lui ai fait une petite sélection de 45 tours, je vous les montre très rapidement. Il avait 3 disques d'Europe, je les ai pris tous les 3, donc on a le petit Rock the Night, voilà, Carry, donc le super slow, sur lequel on va retrouver sur la phase 2, un morceau que je préfère d'ailleurs, qui s'appelle Love Chaser. Final Countdown, voilà, habituel, hein, alors celui-là je crois que je l'ai déjà, donc ça partira dans la caisse à échange. Un petit Sting Russian, donc là ça c'est cool, c'est un très très beau morceau de Sting. Mylène Farmer, Tristana, je vais très vite, hein. The Christian, voilà, ça c'est cool, on ne voit pas souvent. I Found Out, et sur la face B, qu'est-ce qu'on va retrouver? Save Us From Our Friends, sur la face B de ce disque des Christians. Pareil, Tear for Fears, on n'en voit pas souvent, le célèbre tube Woman in Chains, voilà, qui était sorti de cet album là, qui est génial cet album là, qui s'appelle The Seeds of Love, voilà, Tear for Fears.
Celui-là, alors c'est pareil, c'est pas courant. Bon, c'est la première fois que j'en vois. Je connais les albums, je connais l'artiste, mais première fois que je vois un 45 tours. Il s'agit de Doro, A Whiter Shade of Pale. Voilà, donc Doro. Je vous montre le dos de la pochette. Donc ça, c'est pas courant. Et celui-là, je suis super content. Katie and the Sunshine Band. That's the way I like it, hein, le célèbre tube de ce groupe de funk. Voilà, donc super content de ma petite sélection de 45 tours, une petite dizaine. Donc voilà, ça c'était pour le stand de ce petit monsieur qui vendait quasiment tout dans sa voiture. Et puis donc en repartant, mon tout dernier achat, je repasse dans une allée que j'avais déjà fait au moins 3 fois, mais le vide-grenier était tout petit, donc voilà, ça a permis de faire plusieurs fois les allées. Et même si je suis arrivé à 8h, hein, il y a encore des gens qui arrivaient pour exposer à 9h. Donc voilà, bon, c'est vrai que maintenant il commence à faire jour un peu plus tard, donc on est un peu moins pressé le matin, mais quand même. Donc là, je me arrête sur le stand d'un monsieur, il avait 2 bacs au sol, et je lui demande les prix, il me dit c'est indiqué à l'intérieur. Et en fait, la plupart des albums que j'ai pris étaient à 5€. En tout cas, il m'a fait un prix à 40€, j'en ai 8, donc voilà, ça me les fait à 5€ pièce. On va commencer par ce best-of de Nina Simone. Voilà, ce superbe best-of qui date de 74. Donc il est vraiment super bêta, à part un petit accro qu'on va retrouver ici. Mais encore une fois, le disque est vraiment... Je vous le sors pas, mais voilà, j'ai tout vérifié, tout est vraiment nickel. On a un beau gatefold à l'intérieur. Voilà, et on a la tracklist ici, qu'on va retrouver d'ailleurs derrière ici. Donc 74, hein, il y a de très très belles choses là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment cool pour 5 balles. Alors ensuite, je me suis pris un petit Michel Jonas. Cet album qui était sorti en 85, Univers Luni, sur lequel on va retrouver bien sûr la FM qui s'est spécialisée funky, la boîte de jazz, Univers Luni, etc. Toutes les choses, la bossa. Qu'est-ce qu'on a de connu aussi, la boîte de jazz, je l'ai dit, nos deux noms, etc., etc. Voilà, donc album sorti en 85 de monsieur Michel Jonas. Et donc il y en a un deuxième qui est vraiment superbe, c'est la première fois que je le vois aussi. C'est un concert enregistré au Palais des Sports de Paris. Voilà, Michel Jonas, donc en 85, donc il y avait ce gatefold, Michel Jonas en concert, qui est vraiment super bêta, à part un petit accro ici. Et on a les petites planètes ici, hein, qui sont un peu glossy, un petit peu en relief. Je ne sais pas si on le voit bien sur la pochette. Alors, je trouve cette pochette magnifique. Voilà, donc double album sur lequel on va retrouver les meilleurs morceaux en live de Michel Jonas. Je vous montre juste l'intérieur, voilà, du gatefold comme ça. Donc en concert au Palais des Sports de Paris. Au Palais des Sports de Paris en 85. Jean-Michel Jarre, je vous en parlais tout à l'heure, concert Houston-Lyon, et bien le voilà en vinyle. Alors c'est un vinyle que j'ai déjà, mais qui est vraiment en moins bon état que celui-ci. Hein. Il est vraiment mint ce gatefold. Donc je l'ai pris pour un upgrade, hein, clairement. Voilà, donc il est vraiment en très très bon état. Donc ça c'est sorti en 87, il me semble. On a la petite sous-pochette ici. Tac. Voilà. Et puis ben, disque chez Dreyfus, comme d'hab. Hein. Voilà. Donc ça je vous le montre. Vite fait comme ça, il est vraiment super bêta, et voilà, ça va vraiment servir pour un upgrade. Donc l'autre partira aux échanges si ça intéresse quelqu'un. Ensuite, celui-là, je suis super content, j'en avais pas de ce groupe-là. Cinderella, donc ce groupe de heavy metal, hard rock, glam metal, enfin voilà, tout ce qu'on veut, donc des années 80, on est en 87, il me semble, là-dessus, donc 86, voilà, donc avec cet album qui s'appelle Night Songs. Le suivant, alors ça je l'ai pris vraiment pour la curiosité, j'ai vu là, un petit peu la police d'écriture, je me suis dit ça fait bien un punk, et puis la couleur et la pochette, vous allez voir, donc c'est vraiment du... Ouais, c'est entre le punk et le rock alternatif, on va dire, ça s'appelle The Psychedelic Furs. Voilà, donc cet album-là a la particularité d'avoir plusieurs couleurs de pochette. Donc moi j'ai ici la rose, mais il me semble que c'est sorti en jaune, en vert, en bleu, enfin il y a tout un tas de couleurs de pochette avec des cotes un petit peu différentes en fonction, et des raretés en fonction des pochettes. Moi c'est un pressage grec. Voilà, donc petite curiosité, bon c'est pas ce que j'écouterai tous les jours, mais c'est assez sympa.
Celui-ci, je suis super content parce qu'il me manquait dans la collection de Sir Elton John. Il s'agit de cet album Too Low for Zero, avec le petit, je ne sais pas si on peut passer un petit jeu de mots ici, mais le petit die cut Too Low for Zero, qui en fait qui voilà, qui on va dire qui se colorie avec la sous pochette qu'on a à l'intérieur. Hop. Super état, hein. Pochette blanche, hein. Je vous le dis toujours, c'est pas évident de garder blanc avec le temps. Voilà, pareil avec le vinyle chez Rocket Records. Donc sur lequel on va retrouver hein, notamment I'm Still Standing, voilà, que une chanson que j'adore, d'Elton John. Et le tout dernier, c'est pareil, c'est une petite dinguerie, il s'agit d'Aretha Franklin, disque sorti en 81, qui s'appelle Love All the Earth Away, voilà, donc sur lequel on va la retrouver en duo avec George Benson, notamment, et Louis Johnson. Voilà, ça c'est une petite... voilà, une petite praline à écouter, Aretha Franklin, voilà, je suis super content. En plus, il est vraiment en super état. À l'intérieur, on a une sous-pochette qui est foutue comme ça, voilà, avec une belle photo ici. Et puis, bah, les paroles de l'autre côté. Voilà pour Aretha Franklin, et voilà pour ce qui clôture ce compte-rendu de ce vide-grenier, de ce beau vide-grenier, hein, finalement. Voilà, la saison se termine en douceur, mais bon, ça se termine quand même très très bien. Ça va maintenant plutôt laisser place à la période des conventions, des foires aux disques. Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je vous en reparlerai parce que j'ai mon ami Thierry de la Galette Noire qui organise une foire au disque. C'est sa première, donc il fait ça tout seul dans son coin. Enfin, voilà, c'est du côté de, c'est dans le Cher, donc c'est entre Nevers et Bourges. Je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans une prochaine vidéo où je vous montrerai le flyer et tout ça. Voilà, moi j'espère que vous avez apprécié ce petit compte rendu, ce petit vide-grenier en même temps. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao !